Dernière ligne droite pour la victoire. Forte mobilisation du côté de Yopougon ce vendredi 30 août 2023 à la place CP1. Journée marquant la clôture de la campagne pour les élections municipales et régionales 2023. C'était l'apothéose. Après une semaine intense d'activité afin d'exposer son projet dans les 32 quartiers et 14 villages de Yopougon, l'homme de terrain, l'homme pour Yopougon, le candidat Diaoufoué a fait le show avec la population. Le candidat PDCI RDA pour les municipales à Yopougon a également adressé un message fort aux populations. Militants de Yopougon, est-ce que vous n'êtes pas fiers de votre fils? Est-ce que lors de la campagne là, on n'a pas relevé le défi? Moi-même là, j'ai regardé. Et puis, j'ai mon gars Joe. Campagne, on a déjà, hein. On les a versés, hein. Population de Yopougon. Le mouvement dans lequel on a engagé. On ne peut pas taper poteau. Jamais poteau. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis. Faut pas votre cœur va battre. Faut même pas que ça batte. Et moi-même là, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que ils ont cru que quand ils allaient envoyer le président à l'Assemblée nationale là, notre cœur allait battre. Oh, quand tu as de Yopougon là, c'est là même que ton cœur se soulève. C'est-à-dire, ils ont pompé nos cœurs, ça s'est soulevé. Et puis nous, regardons comme ça, dit, mais c'est un vrai problème. J'ai dit à mes parents de pas boiteux. Je leur ai dit, mes parents, est-ce que vous voyez, chaque vendredi, il y a une mosquée ici à pas boiteux, mais le Mongol va prier à Kokoti. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Yopougon. Il ne sait pas ce que ça représente de prier vendredi avec les musulmans de Yopougon. Parce que, faut pas que vous ayez pensé que les morons de Yopougon, Ouattara, soit là, hein. Il va l'île. Population de Yopougon. Nous sommes en train de demander à tous les Ivoiriens que nous, c'est Yopougon là. On n'a pas peur de quelqu'un. Nous, à Yopougon là, c'est nous. On choisit qui va les défendre. Quand on a un de nos enfants qui est engagé dans un combat, on oublie tous nos palabres et puis on se met en bloc et puis on avance ensemble. C'est dans ce mouvement-là que nous sommes engagés aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va me démontrer. Et à partir de Yopougon, toute la Côte d'Ivoire va savoir que
Aujourd'hui, là, on est ensemble. J'ai dit à Yopougon ici, là, nous, on a des problèmes. Nos enfants ne travaillent pas. On cherche leur travail. On cherche. Petit député que je suis là, petit député, moi là, j'ai pris CV de tous les jeunes. J'ai cherché le travail pour eux. J'ai pris CV, j'envoie, je demande pardon. On me dit, oh non, on a compris, pardon. De 2021 à 2023, j'ai trouvé travail pour 300 jeunes de Yopougon. Petit député que je suis là, de 2021 à 2023, j'ai pris 75 associations de femmes. Je leur ai donné 500 000 chacune. Oh. Petit député que je suis là, je suis allé à Popo 2. Ils m'ont parlé de problèmes de lumière. En 24 heures, ils ont mis lumière là. Nous là, on est un bilan. Je vais vous dire, le 2 septembre, quand vous allez aller voter, vous ne vous mélangez même pas. Parce que la CEI, là, tous les papiers là, c'est blanc noir. Mon gars a dit tout à l'heure, nos photos, nous tous en dehors, on est baquets. Nos photos en bas, c'est rapide dedans. Vous regardez un seul truc. L'éléphant. Population de Yopougon. Je suis fier de vous. Parce que partout où je suis passé, j'ai senti la ferveur populaire. Le 2 septembre, la fin de notre souffrance va arriver. Parce que ça fait plus de 10 ans que nous souffrons. Plus de 10 ans. Nous avons souffert pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'heure est arrivée de prendre notre destin en main. Je me contente pas seulement mon travail, mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, tu veux pas en dire, nous avant les autres, la façon facile. Tu ne peux pas changer ça, oh, Laetitia Gabo, c'est Dieu qui a décidé, oh, le fils du sponsor. Si tu veux former,